Hey yo, salut tout le monde, c'est Wanda, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur GTA 5 Online pour une vidéo concernant des glitches de tenue sur GTA 5 Online. Et là, on va s'intéresser à des tenues en fait qui en temps normal on peut pas changer le haut. Et là, du coup, je vais vous expliquer comment faire pour avoir un t-shirt de crew sur ces tenues-là. Donc, j'ai pas essayé si mon fameux sweat il marchait sur cette tenue-là, mais bon, là c'est pour le t-shirt de crew, donc ça marche pour toutes les tenues, toutes les combinaisons, toutes ces tenues-là. Donc, la manipulation elle est très simple. Donc, dans un premier temps, je vous montrerai la manipulation la plus rapide, mais faudra payer 100 000 euros, 100 000 dollars, pardon, 100 000 GTA dollars. Hein. Pour la faire, et l'autre bah, elle sera plus longue, par contre elle sera gratuite. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est mettre la tenue que vous souhaitez glitcher, donc garder le bas. Donc moi c'est cette tenue là hein. À la base je la voulais vraiment pour avoir le bas, donc j'ai préféré l'avoir en entière. Donc là faites pas attention au masque que j'avais mis, il était dégueulasse. Donc là je vous montre un peu toutes les tenues avec lesquelles vous pouvez le faire en fait, avec lesquelles en temps normal on peut pas changer le haut, mis à part quelques exceptions. Et donc voilà, hein, je vous fais un petit tour du truc. Donc je vais laisser défiler rapidement et on se retrouve tout de suite après. D'ailleurs, si vous voulez le pantalon du Nooz, je vous mettrai des liens dans la description de personnes qui ont fait des vidéos là-dessus avec différentes méthodes. Comme ça, vous pourrez faire celle qui vous paraît la mieux si c'est la combinaison que vous souhaitez faire. A tout de suite. Donc la première technique qui va vous coûter 100 000 dollars, ce qu'il faudra faire, c'est donc prendre la tenue que vous voulez glitcher. Ensuite, vous irez dans style, modifier l'apparence pour 100 000 dollars. Là, vous allez sélectionner votre personnage principal. Donc enfin, il va se mettre directement. Hein. Et là, vous irez dans les vêtements et dans l'onglet t-shirt de crew et vous choisissez le t-shirt que vous voulez. Donc en même temps, vous pouvez en profiter pour regarder les différents modèles de t-shirt de crew, parce qu'il y en a avec des manches de couleur, des sans manches, des blancs, des couleurs de crew, des gris, enfin avec des cols différents, etc. Donc là, je fais défiler rapidement, je vous laisse voir ça et on se retrouve pour la suite là. Juste après, là pour celui-là, suffit tout simplement de valider votre choix de t-shirt une fois que vous avez fini de mettre ce que vous voulez. L'emblème, vous pourrez le changer après. Et donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième méthode. A tout de suite. Oui, donc naturellement, juste avant de vous montrer la deuxième méthode, hein, bien sûr, faut aller sauvegarder la tenue après, hein, parce que si vous changez un élément, ne serait-ce qu'un collier, pas les masques, tout ça, mais sinon vous allez la perdre. Donc pour la deuxième méthode, donc faudra prendre la tenue que vous souhaitez avoir pour faire le glitch. Une fois que cela sera fait, il vous suffira simplement de faire Start, d'aller dans l'onglet En ligne et de sélectionner Changer de personnage. Une fois dans l'onglet de sélection des personnages, vous irez sélectionner votre deuxième personnage. Attention, il faut que ce soit un nouveau personnage. Il faut que vous le créiez de zéro, que vous ayez pas encore, enfin que vous puissiez encore faire son apparence. Donc là, vous pouvez valider le niveau 120 ou pas, ça change strictement rien, le sexe ne change rien. Là, ce qu'il faut, c'est juste l'envoyer, donc tout de suite, vous donner le prénom que vous voulez rapidement. Vous l'envoyez en mode online. Et en fait, dès l'instant où on va respawn, donc là je vous ai zappé toute l'introduction, hein, sinon ça aurait pris 14 ans. Et dès qu'on va respawn, bah, on va faire start en ligne et pareil, changer de personnage. Et donc là, on va se retrouver à nouveau, bah, temps de chargement. Et on va sélectionner le deuxième personnage, pardon. Donc là, on va à nouveau sélectionner le deuxième personnage pour qu'il nous envoie un message d'alerte en fait. C'est un message d'alerte qui nous proposera de changer son apparence pour la dernière fois ou de changer à nouveau son apparence. Dès l'instant où on va avoir ce message-là qui va pop, vous appuyez deux fois sur le bouton PS, vous allez tranquillement, on n'est pas pressé, dans l'onglet Paramètres de votre console et vous vous déconnectez et reconnectez
de la connexion réseau internet. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça va vous envoyer un message d'alerte ou ça va vous déconnecter en tout cas du online. Ça vous renvoie en mode histoire. Là, vous retournez dans en ligne, choisir personnage. Là, on se retrouve à nouveau à l'endroit de sélection des personnages. Et là, au lieu de sélectionner le deuxième personnage, on va sélectionner notre personnage principal, celui sur lequel on veut modifier la tenue. Et donc maintenant, on peut enfin modifier sa tenue. Donc là, c'est la même manipulation que pour la manipulation rapide, hein. Donc là, on valide, hein, le changement d'apparence, sinon on ne pourra pas switcher le haut du personnage. Donc là, on va dans l'onglet Vêtements, dans les hauts, et on sélectionne le haut de crew. Donc enfin voilà, style, vêtements, t-shirt de crew, et vous mettez le t-shirt de crew comme vous voulez. L'emblème, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le modifier après. Les casques, les gants, tout ça, ça pose pas de problème. Il n'y a que les colliers que vous pourrez pas mettre. Donc voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, ça me ferait super plaisir. Là j'en ai balancé quelques-unes dernièrement. J'espère en trouver autant après par la suite, on verra bien. En tout cas, bon, moi après, ce sera pas trop des glitches d'argent. Enfin, c'est possible que je vous en partage si j'en connais des biens ou j'en trouve des biens ou quoi. Mais les techniques aujourd'hui, elles sont trop avancées. Il y a trop de trucs. Avant, c'était beaucoup plus simple. Donc, j'arrivais à en trouver des glitches d'argent. Maintenant, j'y arrive pas tellement. Donc, j'espère que vous aurez bien kiffé. Je vous dis à très bientôt. Je vous ai mis quelques ensembles juste après, hein, pour vous montrer que ça marche avec d'autres tenues. Allez, ciao!